Eh, louez-moi, et vous êtes pas chaud, je fais... Oh, eh, vous êtes pas chaud, je fais une vidéo, je loue une voiture sans permis, et je fais 24 heures en voiture sans permis. Et genre, je vais au lycée et tout en voiture sans... Ah, ça serait délire, parce que j'ai le permis pour ça. Alors, à pouvoir tartiner. Eh, y'a tout le monde qui me dit, ouais, maintenant, ça y est, tu sais passer les vitesses. Mais tu nous fais un truc, c'est n'importe quoi. Les mecs, quand je passe ma vitesse, je lève la jambe, parce que j'ai pas de mobilité à lever le pied comme ça. Donc, c'est... Je le fais comme ça parce que mon sélecteur il est un peu haut, tu vois. Mais voilà. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui fait beau là? On est dans une semaine, mon pote. Il va faire du 21, du 22 degrés. Oh là là. Oh, ça va se mettre bien en bécane là. J'espère que vous aussi. Bon les mecs, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu là. Ça vous coûte rien et ça fait super plaisir de voir qu'il y a du monde derrière qui suit avec plein de petits pouces bleus. On se dit qu'à 3200 pouces bleus, je vous ressors une nouvelle vidéo dans 3 jours. Vous connaissez la chanson, je vous laisse gérer. Les mecs, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, c'est un dilemme qui va s'offrir à moi. Qu'est-ce que je fais de la 50? Parce que vous savez que il y avait l'histoire et j'avais l'envie de mettre un kit dessus. Mais vous-même, vous savez le bordel que c'est un kit, l'entretien, enfin le taf dessus. Et surtout la décote que ça va faire. Parce que là, on est sur un modèle d'origine, vous le savez. Et du coup, au niveau de la cote du véhicule et du prix à la revente, on n'est pas du tout pareil entre une moto kitée et une moto origine comme ça, tu vois. Et je vais perdre plus d'argent à remettre un kit dessus. Et surtout, bah après ça va décoter et tout. Et imagine les problèmes et tout, derrière les galères, bref. Ou soit passer sur une petite 125, 4 temps ou 2 temps ou dedans. Parce que je sais que j'en ai parlé sur Insta avec quelques-uns d'entre vous. Et que vous m'avez mis à l'oreille le 2 temps aussi. Genre les 125 EXC, transformation supermote et tout. Ça a l'air d'être incroyable. Sauf que vous le savez aussi que moi, le marché de l'occasion, donc genre le bon coin, la centrale, t'as rien. T'as rien comme bécane. Je vais pas te mentir. C'est chaud de trouver des bécanes. Quand je cherchais pour une crosse et que j'avais pris mon 85, ça faisait 4-5 mois que j'étais déjà sur le bon coin, tu vois. Et jamais que je vois jamais passer des 125 XC, sinon j'aurais pris ça. Ou des Husqvarna aussi. En deux temps, je trouve pas. Après, en 4 temps, on a les modèles réputés, les MT125, les Duke 125. Ah ouais, il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Les Duke, ils ont l'air pas mal aussi. Et du coup, je me dis que ça me tente quand même, tu vois, j'ai regardé 2-3 vidéos, ça a l'air bien sympa à rouler. Et du coup, je me dis que, vas-y, tu sais quoi, ça serait peut-être cool en fait de ramener 125. Je dis pour la route parce que, enfin, il y a toujours la crosse. Tu vois, il y aura 85, après pourquoi pas un petit 2,5 et tout, tu vois, ça va changer. Mais au niveau de la 50, je pense qu'on a fait le tour. Et pourquoi pas prendre une petite 125, une petite Juke, une petite KTM. Après, je sais, il y a les YZ2, il y a les EXC en modèle de temps. Sinon, j'en connais pas trop d'autres. Et si vous avez des modèles que vous connaissez en deux temps, 125 pour du coup le permis, mettez-les moi en commentaire. Alors, je sais pas du tout où on est là. Frérot, on peut pas trop bombarder, je connais pas et. Les routes ont pas l'air folles. Du coup, ouais, je vous attends en vrai dans les commentaires parce que je pense qu'on peut kiffer parce que du coup, ça veut dire l'autoroute et tout. Bon, après, ça va être un peu galère, frérot, je vais pas te mentir d'aller avec une MT125 sur l'autoroute, ça se fait, hein, mais je veux dire, t'es pas voie de gauche, je pense. Ça se fait la rocade tranquille, tu vois. C'est une 50 en face. Je sais pas ce que c'est comme bécane en face. Vas-y, on va le suivre, hein. Ah non, c'est peut-être pas une 50 vu le bruit que ça fait. Parce qu'en vrai, au niveau puissance, une 50 quittée, c'est comme ça va aussi vite qu'une MT125. Mais après, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, je sais pas, je me tâte. Je me tâte à vous de me dire dans les commentaires. Mais vrai, ça serait fun, hein. Là, ça va être l'été en plus. On pourrait se faire des bêtes de route, la côte et tout. On pourrait se la faire. Oh, il m'a l'air d'avoir des petits spots, là. Ouh, attends. Je vois là un, là, frérot. On va pas aller sur l'autoroute, nous. Oh, le bordel, je comprends rien. Attends, là, c'est une route, ouais. Ah non, là c'est là, merde. Oh, attends. Y'a personne. Attends.
Je suis apprenti. C'est quoi de cette route? Ah, il y a un golf là. Salut les golfeurs. Bon, je connais pas du tout ces routes. Mais voilà, pour en revenir au sujet principal, je vous attends comme petite MT-120. Moi, vraiment, j'ai jeté mon dévolu sur la dernière MT-125 2020. Sinon, je sais qu'il y avait aussi Honda avec leur CRC, je sais plus quoi, en 125. Si vous avez des anciens modèles deux temps, bah, mettez-les en com. En vrai, il y a moyen. Si je peux trouver une deux temps nerveuse, super mode, ça peut être cool. Et puis après, prendre une paire avec de pneus cross, ça peut être carrément fun. Frérot, je sais pas où je suis parti, je vais me retrouver. Ah, je vais me retrouver sur l'autoroute là. Ah là, c'est de la nouvelle route. Hein. Mais c'est bien, au moins on peut découvrir des nouveaux petits coins, tu vois. N'hésitez pas, j'en profite toujours. Venez me suivre sur Instagram, on est bientôt 12 000, c'est incroyable. Oh là, t'as envie d'arriver en moto et bah, tu prends ça. Et alors là, je ne connais pas du tout. Pas du tout, là je suis carrément perdu. On va faire gaffe de pas se taper une priorité à droite. Ah non, là c'était papy. Dimanche, il sort sa bécane, il dit pas bonjour lui. Insolent. Je pourrais aller au lycée, ça prendra pas le même temps, même si je prends pas la moto, tu vois. Mais même si là je vais essayer d'y aller en moto, je vais y aller en moto ces prochaines fois pour vous faire enfin la vidéo. Je vais en 50 au lycée. Ah, celle-là, vous l'attendez, c'est un truc de fou. Eh, je crois que je vais devoir faire demi-tour parce que tu sais pas, là il va avoir un contrôle. Vous venez d'où? Ouais, périmètre de 10 libères, périmètre de 10 km. Hop, je vais me la prendre, frérot. Mais le truc, c'est que normalement ça doit faire une boucle, mais je sais pas à quel moment. Oh là-bas, il y a l'air d'avoir des bêtes de route. Oh là-bas, il y a l'air d'avoir des bêtes de route. Oh là-bas, faut retenir, hein. Tu sais, les petites routes de campagne, t'as des sapins à droite à gauche. Ça a l'air énervé. Est-ce que je suis un délinquant et je passe au milieu? C'est pas là que je tape un poteau. Oh, c'est une amie. Oh, regardez, ça peut se conduire, ça. En plus, à ce qui paraît, c'est pas super cher. Oh, en vrai, t'as aucune dégaine là-dedans. T'as aucune dégaine. Mais du coup, ouais, en 125. Mais après, je sais que ça pourrait carrément moins plaire. Genre, je sais que moi, je regarde que les... Bah, avant, à l'époque, quand je regardais YouTubeurs 50, je regardais que les 50, je regardais pas les mecs en 125. Et... Après, j'ai peur que ce soit que de l'autoroute, que de l'autoroute. Et que ça change un peu des vidéos en 50 et que ça soit nul, tu vois. Bref, à vous de me dire, c'est vous, vous avez les cartes en main. De toute façon, dans tous les cas, si vous voulez que je garde la 50, je garde la 50 et j'évolue au niveau du cross. Genre, on passe sur une nouvelle bécane. Un petit 2,5 CRF. Oh là là. Insolent. Eh, louez-moi. Et vous êtes pas chaud, je fais... Oh, eh, vous êtes pas chaud, je fais une vidéo, je loue une voiture sans permis et je fais 24 heures en voiture sans permis. Et genre, c'est tout en voiture... Ah, oh, ça serait délire, parce que j'ai le permis pour ça. Vas-y. C'était priorité à droite, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une Supra, ça. J'en sais rien si c'était une Supra. Moi, j'en ai une sur Forza, elle fait des drifts. Un petit Q7, oh là là. Oh, le cul de ces mots. N'empêche, on est bien là, on est enfin un jour sur deux pour l'école, c'est un plaisir. Là, ça va être la première semaine où ça va s'appliquer. Ça va changer un peu la vie quand même. Hein. C'est-à-dire que je vais pouvoir sortir plus souvent la bécane, il va faire chaud, du coup plus de vidéos et tout. Finalement, en plus, à ce qui paraît, mercredi, il y a moyen qu'il annonce une fermeture des écoles, un confinement strict ou je sais pas quoi. Ça se trouve, il va mettre un cours. À mon avis, je pense que si je serais lui, tu vois, je fermerais les écoles. Mais soyons réfléchis, il a pas envie de fermer les écoles. Donc, il va confiner toute la France et laisser les écoles ouvertes. Parce que là, c'est que le nord de la France qui est confiné, lol. Oh, pas mal. Mais, Alan, c'est cul l'ami, mais ça a pas l'air de bombarder. Hein. Ah, c'était un stop, ça. Il y avait juste une ligne sur le sol. Est-ce que je reteste de passer au milieu? Ouais, en vrai ça passe. Hein. Ça va, il y en a qui envoient quand même dans la route. Ils sont pas là à 30 km/h, frérot. Et après, je pense que niveau entretien et tout,
une 125 en 4 temps, genre y a rien de fou à faire. Hein. Genre à part les pleins, est-ce que les pleins ça va être plus cher et tout, je pense, je sais pas. En vrai ça serait carrément un tout nouveau domaine pour la chaîne, tu vois. Mais j'en sais rien, c'est carrément à vous de me dire. C'est juste une idée qui est venue de passer sur 125 4 temps. Et si vous voulez je le fais, si vous voulez pas je le fais pas, hein. Et je prends une nouvelle crosse et je reste en 50 et on alterne crosse et 50. Comme vous voulez, bon après dans un an j'ai le permis donc avec ça il y aura une petite caisse des familles. Tu te fais écraser par ça frérot. Oh là là. En vrai, je vais pas te mentir que je kiffe faire ça là. Tu vois, t'es obligé de tomber un rapport si tu veux que ça reparte. Bah, t'en fais tomber un et ça repart dans les tours, tu vois. Ah là là, la petite jeunesse qui se retourne en entendant le V8 en ligne. Oh là là, n'importe quoi. Attends, frérot, priorité à droite, mais ils ont un stop. Voilà, analyse de la situation. Allez, là, tu vois, tu charges le turbo. Là, t'es là, là, tu charges le turbo là. Et là, le moteur, il crie. Allez, bombarde, s'il te plaît. T'es joueur, je le sais. Laisse-nous profiter. Comme quoi, on les rattrape vite, les voitures. Hein. Regardez, c'était des chemins comme ça que je voulais. Elles sont où les routes pour passer dans ces champs? Bref, en tout cas, les mecs, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. C'était juste pour un peu de blabla. Un petit moto vlog avec un sujet à traiter, frérot. Vous avez 2 heures dans les commentaires et on verra bien ce qu'on fait. En tout cas, c'était Léo. On se fait le petit jeu du follow. Si je gagne le player face ISO, vous vous abonnez à ma chaîne. Si vous me gagnez, vous mettez dans les commentaires, j'ai gagné et je viens mettre un follow à ta chaîne. Ah, elle a dit bonjour le coup. Allez, sur ce les mecs, on va pas oublier de sortir pour pas se taper là, hein, frérot. Ça serait con. Moi, je sors là, sur la vue du petit golf. Bonne fin de journée à tous, bon appétit, tout ce que vous voulez, de bon et de meilleur. Ça me fait penser à mon ancienne outro, celle-là. Bon, allez, sur ce les mecs, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et vous jouez le jeu, hein. Si je vous ai gagné, vous vous abonnez, les mecs. Et sinon, vous le mettez en commentaire. C'était Léo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! J'ai l'impression qu'on roule dans une ville fantôme là, frérot. Alors on va pouvoir tartiner. On est dans la ville, on se calme. L'embrayage. Et y'a tout le monde qui me dit, ouais, maintenant ça y est, tu sais passer les vitesses. Mais tu nous fais un truc, c'est n'importe quoi. Les mecs, quand je passe ma vitesse, je lève la jambe parce que j'ai pas de mobilité à lever le pied comme ça. Donc c'est... Je le fais comme ça parce que mon sélecteur, il est un peu haut, tu vois. Mais voilà. Quand je passe les rapports. Je vais vous écraser, bougez de là, bande de morts. Ah ouais, non mais eux, ils cassent à peine les couilles en fait. Ils cassent à peine les couilles.